Bonsoir tout le monde, bienvenue en direct sur 99media.org. Ce soir, c'est la nuit des sans-abri 2014. Ça commence maintenant au Carré Phillips, au centre-ville de Montréal. Bientôt suivra une manifestation sur le long de la rue Sainte-Catherine qui se terminera à la place Pasteur sur la rue Saint-Denis entre les rues Maisonneuve et Sainte-Catherine. Alors, restez des nôtres, les discours vont commencer sous peu, les gens continuent de se rassembler au Carré Phillips. Alors, restez des nôtres. Tu veux me mettre sur le codec? Regarde, moi, c'est live! Honnêtement, c'est supposé faire 25 minutes, c'est commencé. Okay. On m'a dit qu'à 45, c'est la manif. Ça s'en va à la place Pasteur Saint-Denis, Saint-Catherine. Okay. Okay. Ça va être parfait. Thank you.
je suis prêt. Je me passer sur le dos. Ouais, il y en avait deux que tu jasais avec quand je suis arrivé. Ouais, deux, puis à Saint-Denis, il y a un char juste pour suivre, finalement, elle se rattrape. Je me suis recouvré, les années me chantent. Quelle occasion de faire un tour en prison. Quelques minutes, ma journée en 4-16 heures. Check dans mes poches, ok c'est bon gelé. J'ouvre la porte, char, j'suis déjà gelé. Mes doigts crispés, serré sa patente. De quoi geler même s'il fait moins 50. Un pied dur, pour des hommes durs. Laisser un corps dur, pour des hommes durs. Faut qu'il prenne sa place, j'marche pressé. Le vent en pleine face commence à me stresser. J'bouge mes yeux, tic nerveux, j'me retourne vite. Personne comme les gens profite. Ça va bientôt être l'heure d'opérer. Mais elle me porte la gauche par celle, j'ai libéré. Ouais, elle m'écoute en plus, ouais. Alors si Stéphanie est à l'écoute, on lui souhaite de bonne chance. Non, si Stéphanie est à l'écoute, on lui souhaite tous bonne fête, Stéphanie! Bye. Ça fait un peu que j'ai vu un jour des gens nus. On sort, on serre la main, on s'en s'éveille. Je vois ma paye, y'a du monde sur le soleil. Regarde, varier, je regarde vers de même. Discret, j'en veux que j'aide Jean Chrétien. Chacun son possible, faut rester ouvert. Toi t'aimes le plan, ben moi j'préfère le faire. Tu vois ce que j'veux dire, ce qu'il faut c'est des bains. Faut oublier que la vie c'est des bains. Bon ben j'te laisse là-dessus. Appelle ta l'air, c'est le trip, t'es pas déçu. Dans les départs, début de 90, c'est la bande, mais je suis bien dans mon insouciance. On joue, on retourne, on mille détours, mille et une nuit sans jour. Il fait chaud, je peux chill, tu te gâtes. J'ai plus de sac, sur moi le gros, je m'en sac. Je prends une cigale, je gueule toute la nuit. Le fourmi va se mêler de midi, je ris. Les conneries, avec mon coup accompagné. On aime prendre des risques inutiles. Au plaisir de voir bonne Saint-Ville. Mario! On sait, on peut pas rester tranquille. Merci. Salut tout le monde, merci d'être là en grand nombre. On a une petite présentation à vous faire de Gumboots. C'est les pas de bottes. Applaudissez-les! Oh, mais t'es où, toi, qui jase? Ah! Ben là, il est trop tard, elle jase plus. Faudrait que j'aille sur l'autre bord pour aller le fond blanc du truc.
Parfait. Hey, merci beaucoup, la gang de Pot-Pot. J'ai quelques petites annonces à faire. Bientôt, il va y avoir Movimento qui va ouvrir la marche. Ensuite, il y a quelque chose d'important. S'il y a des personnes durant la marche qui sont blessées, qui ont de la difficulté à marcher, vous pouvez vous installer dans la van de Ex-Eco. Donc, il est fermé. Ah non, il n'est pas fermé. OK, je pourrais faire une petite... Oui, Ex-Eco va être avec nous toute la nuit. C'est une caravane philosophique et culturelle que vous avez sans aucun doute croisée au détour des rues montréalaises qu'elle sillonne depuis un an et demi déjà, à la rencontre des jeunes et moins jeunes autochtones en situation d'itinérance. Je passe maintenant la parole à Pierre Gaudreau du RAPSIM. Ah, quelqu'un qui a de la lumière! Non. Merci! Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Pierre Gaudreau du Réseau d'aide aux personnes seules itinérantes de Montréal, le RAPSIM, qui est un des groupes qui a collaboré à organiser cette 25e nuit des sans-abri à Montréal. Oui, on peut s'applaudir d'être là parce que c'est nécessaire d'être là. On peut aussi se désespérer qu'encore une fois, après 25 ans d'une activité comme ça, d'une nuit des sans-abri, qui est là pour dire qu'il faut apporter une attention à la question d'itinérance, il faut qu'il y ait des actions, il faut qu'il y ait de la solidarité, et c'est encore nécessaire. Non seulement c'est encore nécessaire, mais ce soir, dans 36 autres villes au Québec, l'idée qui a germé à Montréal, que quelques auberges-cœurs ont fait à l'époque, on parlait uniquement d'une nuit des jeunes sans-abri, c'est devenu une nuit des sans-abri, et c'est souligné dans 37 villes pour dire qu'il faut agir sur la question. Puis ça, on peut s'en réjouir. On peut s'en réjouir et on peut s'en désoler, parce que si ça existe ce soir dans 37 villes, c'est parce qu'il y a un problème. À Montréal, on le voit tous les jours, on le voit tous les soirs. Dans d'autres villes, on nie souvent le problème. Quand on parle d'itinérance à Laval, à Terrebonne, à Joliette, à Gatineau, à Saguenay, même à Québec, à Sherbrooke, à Valleyfield, à Rimouski, souvent, il y a un déni que cela existe. Pourtant, c'est vrai, c'est moins visible, mais ça existe. Beaucoup de gens, parce qu'il n'y a pas de réponse par ailleurs qui sont apportées dans ces régions-là, sont obligés de venir à Montréal. Donc, pourquoi on est ici ce soir? On est ici parce que c'est encore nécessaire, comme je l'ai dit. On est ici parce que l'itinérance, malheureusement, et c'est pas pour me répéter, j'ai dit la même chose l'an dernier et d'autres années, elle est en croissance à Montréal comme dans d'autres villes. Année après année, les grands refuges pour hommes accueillent plus de personnes et beaucoup de monde vont dans les refuges, mais c'est pas tout le monde qui y va. Année après année, soir après soir, à Montréal, les ressources d'hébergement court et moyen terme pour femmes sans-abri, femmes en difficulté, refusent des femmes faute de place. C'est un drame qui perdure et qui nécessite une action. Est-ce qu'on est ici pour rien? Est-ce que ça donne rien? La réponse, c'est non. On est ici parce que ça donne des résultats de se mobiliser. Ça donne des résultats de se solidariser. Depuis des années, une des demandes qu'on portait dans le cadre de la Nuit des sans-abri, c'était l'adoption d'une politique nationale de lutte à l'itinérance. L'an dernier, on disait qu'il faut absolument que ça soit fait. On était en chantier pour y arriver. Et en février dernier, effectivement, le gouvernement du Québec s'est doté d'une politique de lutte à l'itinérance. Une politique, ça ne fait pas disparaître le problème du jour au lendemain, mais ça peut permettre d'agir. Les exemples qu'on a souvent donnés de politiques au Québec qui ont fait des différences, c'est la politique nationale d'intervention en matière de violence conjugale et la politique de lutte contre l'homophobie. Ça ne fait pas en sorte qu'un problème n'existe plus, bien au contraire, ça fait en sorte qu'on l'identifie et qu'on identifie les actions qu'il faut mener là-dessus. Tout à l'heure, quand on va arriver là-bas, il va y avoir la nouvelle ministre responsable du dossier de l'itinérance depuis les dernières élections, Mme Lucie Charlebois, qui va être là. On est bien content qu'elle prenne la rue. Elle était dans son comté plus tôt, dans Vaudreuil, dans une des autres nuits des sans-abri, pour venir nous accueillir parce qu'on a des demandes à lui exprimer. France Labelle, en cours de route, du refuge des jeunes, il reviendra.
mais la politique nationale de lutte à l'itinérance, elle identifie des actions au niveau du logement, du revenu, de la réinsertion, de la judiciarisation, de l'accès aux services de santé et aux services sociaux. Donc, ce qu'il faut faire pour prévenir et réduire l'itinérance. On est bien inquiet quand on voit ce qui se passe à Québec, par ailleurs, de comment une politique va pouvoir se déployer. Un autre acteur qu'on a beaucoup interpellé dans les dernières années dans le cadre de la Nuit des sans-abri, c'est le fédéral. Il existe à Montréal un très bon programme, tout comme dans les autres régions, que le fédéral soutient. C'est la stratégie de partenariat de lutte à l'itinérance qui a permis depuis plus de 12 ans d'apporter des réponses. On va passer tantôt devant Cactus Montréal, qui est un projet qui a pu se faire grâce à cette aide-là. L'itinéraire un peu plus loin sur Delormier-Sainte-Catherine, le sac à dos, plein d'autres organismes ont pu bénéficier de cette aide-là. Présentement, plus de 90 intervenants et intervenantes rejoignent plus de 25 000 personnes qui sont en situation de risque d'itinérance à Montréal. Et le fédéral menace cette aide-là en voulant axer son intervention uniquement sur un modèle, celui du Housing First, une forme d'aide en logement qui passe uniquement par du logement privé. Ça serait un recul inacceptable, ça serait un recul énorme si le fédéral va de l'avant avec ça. C'est une des choses qu'on demande au gouvernement du Québec de ne pas signer une entente qui va vers ça, parce que cette aide-là aussi, elle a permis de contribuer au développement de logements sociaux et elle doit continuer à le faire. Finalement, puis lui aussi va être là, il y a un acteur qu'on interpelle beaucoup depuis des années, c'est la Ville de Montréal. Jean Doré, qu'on salue, qui est un ancien maire dans les années 80 de Montréal, avait déjà pris des actions très importantes de la lutte à l'itinérance. Ça l'a continué après, mais Denis Coderre en a fait un enjeu important avant même son élection et dès son élection, il a dit qu'il voulait bouger là-dessus. Il a annoncé dans son plan d'action des mesures intéressantes, développer de plus de 1000 logements à l'intention des gens qui sont dans la rue, revoir le bilan de la police au niveau du profilage social. On l'a vu, il y a encore du chemin à faire avec les nouvelles qu'on a eues hier, qu'il n'y aurait aucune accusation dans le dossier d'Alain Magloire, avec des images qui sont assez horribles à regarder. Merci. Donc, il y a encore du chemin à faire, mais au moins, il nous a dit qu'il ferait un bilan en consultation publique là-dessus, de l'action de la police sur le profilage social. Un des bons moves que le maire a fait, par ailleurs, à quelques reprises, incluant dans son plan de lutte à l'itinérance, c'est d'annoncer un appui très clair au développement de services d'injection supervisés. Et ça, qu'un maire de Montréal prenne une position si claire là-dessus, c'est une bonne nouvelle. Et là encore, on a hâte de voir de ce que le gouvernement du Québec va nous dire là-dessus. Donc, on prend la rue ce soir, on marche ensemble pour dire qu'il faut agir et que c'est possible de le faire pour faire reculer l'itinérance, pour que moins de gens se ramassent année après année condamnés à être dans la rue. Parce que les gens qui vont dans les refuges, ils vont pas parce que c'est un luxe, contrairement à ce que certains journalistes et certaines personnes ont pu dire dans les dernières semaines. Les gens qui se ramassent à la maison du père, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix d'y être, qu'ils s'y retrouvent. Encore une fois, je vous remercie d'être là. Puis, je vous dis bonne nuit. Prenons la rue, exprimons ce que nous avons à dire et soyons là 365 jours par année, parce que la lutte à la pauvreté, la lutte contre la pauvreté, la lutte pour le droit au logement, la lutte contre l'itinérance, c'est une mobilisation permanente. Nous, RAPSIM, on fête nos 40 ans cette année. On est là ce soir et on va être là demain et les autres jours de l'année. Merci. Alors, on va bientôt se mettre en branle. On va vous inviter ici, là, vous me voyez, bonjour, juste ici, à côté de cette superbe œuvre d'art. Il y a une bannière et il y a des pancartes à prendre en lien avec les sujets que Pierre Gaudreau vient de vous aborder, en lien avec les slogans aussi que vous allez chanter et qu'on vous a distribués. Le départ devrait se faire dans les prochaines minutes. Il faut juste installer l'escorte policière, l'ensemble. Et aussi, on va être très bien accompagné. Ceux et celles qui étaient là l'année dernière vont s'en rappeler très bien. On va être accompagné de Movimiento, qui se définit eux-mêmes comme un groupe de percussion brésilienne engagé qui a pour but de soutenir musicalement les causes sociales, qu'il s'agit de notre deuxième collaboration, dans leur cas, à la Nuit des sans-abri. Il y aura de la bouffe avec le réchaud-bus. Le réchaud-bus qui est ici va nous suivre là-bas. Il y aura d'autres aussi motorisés et autres personnes vont donner de la bouffe. On a Isaction Mobile Execuo qui va nous accompagner aussi tout au long de la nuit. On prévoit être vers 20h au deuxième site où va se dérouler l'essentiel de la programmation, à savoir la partie plus spectacle, la partie vigile de solidarité jusqu'à demain matin.
Donc, vous pouvez commencer à prendre vos feuilles de slogans, à prendre vos slogans, puis on va se pratiquer bientôt. Donc, je vous laisse très bientôt au son de Movie Biento et on va vous inviter à prendre la rue bientôt. Et je vous rappelle, venez chercher des pancartes ici ou celles qui restent en lien avec la nuit des sans-abri, le programme fédéral, la SPLI, la politique nationale en itinérance, l'intervention de la ville de Montréal en matière d'itinérance aussi. Et évidemment, les bannières qui sont présentes ici. On va aller se mettre derrière le camion. Une fois qu'il va être placé, on va vous inviter à quitter le parc. On vous avertira en temps et lieu. Ce ne sera pas très long. Merci et on continue. Et bonne nuit! Alors, on est toujours en direct de la nuit des sans-abri sur les ondes de 99media.org. Je vous rappelle que des événements de ce genre se déroulent partout au Québec cette nuit. Montréal, Québec, Trois-Rivières, Drummondville, Sherbrooke, pour ne nommer quelques-unes vite. Alors, vous pouvez vous renseigner sur la nuit des sans-abri.org. Pour ceux qui sont sur mon Facebook et... Vous pouvez fouiller sur mon mur, toute la programmation est publiée sur mon mur. En attendant que le groupe de percussion et que le camion s'installe pour pouvoir partir la manifestation, je suis en stand-by, prêt à aller me lancer au devant de la manifestation. À la seconde qu'elle peut, elle va prendre la rue. Shout out particulier à Paco Yayo! Hey dude, qu'est-ce que t'as fait des poissons? Oh! Movemento vient de commencer à jouer, on va aller se diriger. On va juste changer de position.
jour en direct de la nuit des sans-abri de Montréal sur les ondes de 99media.org. We're still live from Homeless Night in Montreal on 99media.org. Et c'est le départ! Alors, on vient d'entendre le... par les haut-parleurs du camion, comme quoi que... Et c'est fait! La manif s'amène! La rue du Carré-Phillips, direction nord. Phillips Square Street, heading north. J'ai prévu le coup. J'ai pris un peu de lumière, ok? C'est juste ma quatrième année de couverture, fait que non, okay. Je suis habitué. J'aurais espéré qu'ils mettent un spot là-bas, moi, mais non, rien. Puis à la place Pasteur, ça sera pas tellement mieux non plus. Ah non, non. Dans les meilleures images, on va les avoir dans la manif avec l'éclairage. En... Catherine, alors, c'est ça. Clair. Ça a l'air lourd, hein? C'est pas trop pire. Ça a déjà été plus lourd quand c'était en backpack. Transformé en ceinture, ça se porte mieux puis c'est moins... Alors, la rue du Square Phillips au coin de Sainte-Catherine, la manif fait une petite pause, donner la chance aux gens de tous pouvoir s'installer derrière le camion blanc. Ça ne sera pas long que la rue Sainte-Catherine va être prise en direction est, vers les rues Saint-Denis. On va probablement avoir quelques arrêts en chemin. Moi, je décolle la caméra, je dis, c'est drôle, je suis d'un autre avis, moi. Pas sûr que je me sens plus inspiré que la police est là. La marche du climat, qui est une marche qui avait coopéré sur des listes, qui a donné l'itinéraire et tout. Pas un char qui accompagnait pour aller au lit, c'est avez-vous pris un char? Oh oui, Pierre, oui, Pierre Gaudreau, oui. Georges, tu veux-tu pas? Oui. Pierre Armand? Aussi. Puis il y a Pierre-Jean-Jacques que j'ai pas manqué. Hein, les trois en même temps? Les trois! Je suis en train de voir personne différente. Vive de centre-ville.
je peux bien rester ici. Ouais, je suis dans l'eau, c'est tout. Non, non, non. La plus grosse confrontation qu'on risque d'avoir à soir, c'est Pierre Gaudreau qui parlait tout à l'heure sur le micro, puis la ministre, mais qu'on soit rendu d'abord. Ouais. Ça, ça va être le fun. Ben, ça sera probablement pas à son bureau. Ok, c'est parti! Les réflexes. Réflexe comme dans SLR. Hein? Alors, c'est un départ pour cette 25e nuit des sans-abri. On est maintenant sur Sainte-Catherine, direction Est. So, it's a start for this 25th homeless night in Montreal. And we are now walking east on Sainte-Catherine Street. Let's go.
travaille pas, là. OK. Oh, yeah. Oh, oui, oui. OK. La solidarité, ceci, c'est la nuit des sans-abri. Être citoyen à part entière signifie pas vivre dans misère. Être citoyen à part entière signifie pas vivre dans misère. On attend de vous un peu de bon sens en ce qui concerne l'itinérance. On attend de vous un peu de bon sens en ce qui concerne l'itinérance. La personne n'est à l'abri, l'itinérance existe ici. Personne n'est à l'abri, l'itinérance existe ici. La solidarité, si, c'est la nuit des sans-abri.
en ce qui concerne l'itinérance. Alors, on tourne la page et on s'en va concernant la politique en itinérance nationale du Québec et son plan d'action. Un plan d'action des plus dynamiques doit reposer sur la politique. Hey, vous êtes pas fait, c'est bon. Un plan d'action des plus dynamiques doit reposer sur la politique. Cet hiver, Madame Charlebois, on ne veut pas avoir fait ni froid.